Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment réaliser les anneaux avec la technique Peyote with a Twist de Gerlinde Devens. Donc là, j'ai imprimé son schéma. Donc ici sur le schéma, on est sur un nombre pair de perles. Donc là, c'est la partie que nous devons réaliser. Celle-ci est répétée ici afin de montrer la jonction, mais c'est la même chose. Moi, je prends le schéma dans l'autre sens parce que je n'arrive pas à travailler de haut en bas, mais plutôt de bas en haut. Donc on voit qu'on a trois couleurs. Je vais prendre du blanc ici, noir, bleu. Donc on commence par ici. Donc j'ai trois perles blanches. Donc je continue ensuite en rond, comme en période habituelle. Donc là, j'ai une perle noire. Donc ici, je vais replacer trois perles blanches. Donc ici une bleue, une noire et mes trois blanches. Donc noir, bleu, noir.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis à mon dernier rang. Alors ici, on voit que je vais redémarrer en retrait. Je ne vais pas jusqu'au bout. La même chose que sur ma figure et je vais pouvoir joindre. Donc on voit que je sors par cette perle comme ici. Donc les perles qui sont ici correspondent à celles que j'ai sur ma figure. Donc je sors d'ici et je vais venir passer dans ces deux perles là, donc ici. Je ne tire pas complètement pour continuer à vous montrer. Donc je suis passée dans ces deux perles là et je vais repasser ici. Ensuite j'ajoute une nouvelle perle, donc une noire, et je vais repasser dans mes perles en place. Donc j'ai dit je repasse dans les deux là, dans ces deux là. Ensuite, je vais ajouter une perle noire que je vais venir replacer dans ma perle noire en place ici, comme sur le schéma. Voilà, donc on voit que cela forme un tube. Il suffit maintenant de combler l'espace restant, comme on a l'habitude de le faire avec une spirale P-twist, et de combler tous les espaces en tissant des perles. Cette technique offre de nombreuses possibilités. Ici une perle carrière recouverte en délicat. Les photos qui suivent sont de la créatrice Gerlinde Lenz. Ici également des perles carrière. Vous pouvez réaliser des anneaux, recouvrir différentes sortes de perles. Et cette technique permet également le sertissage de divers cabochons. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela vous intéresse. À bientôt!